是来自法国的朱利安。听起来太快乐了。他生活当中就是这样，这眼睛那么大的，眉毛都会往上挑。J'aime la scène parce que bon, j'ai grandi sur des scènes musicales, hein, mais j'aime la scène parce que c'est une habitude. Le tout début, en fait, c'était vraiment de la curiosité. Je me suis arrêté de jouer du violoncelle à l'époque pour des blessures, multiples blessures. Bon, c'était embêtant, mais en même temps, à l'époque, comme j'avais vécu toute ma vie avec la musique, c'était amusant de faire autre chose. Ça a été vraiment l'habitude de travailler l'instrument 5-6 heures par jour. C'est transformé en habitude de faire du chinois 5-6 heures par jour. J'ai acheté une méthode d'autodidacte avec une cassette, à l'époque c'était encore les cassettes, 40 leçons, 10 caractères par leçon, mais tous les jours, j'ai commencé comme ça. Pour nous, elle est très difficile parce que pour tous les gens qui sont habitués aux langues occidentales, aux langues à alphabet, là c'est une logique qui est complètement différente. Donc on doit tout réapprendre et on doit non seulement apprendre les nouveaux mots, non seulement apprendre une nouvelle écriture, mais on apprend surtout une nouvelle façon de penser. Hop là. Tu sautes toute seule? Wouhou! T'as une petite crapule, hein? Après, tout est relatif. Moi, je le vois avec ma fille, le chinois est beaucoup plus facile à apprendre parce qu'en français, la moindre phrase, il faut savoir conjuguer un verbe. C'est beaucoup plus facile pour un enfant d'apprendre le chinois que le français. Alors les gens veulent toujours des raccourcis, mais je leur dis malheureusement il n'y a pas de raccourcis. Si tu trouves que tu n'apprends pas assez bien, c'est que tu n'as pas passé assez de temps. Si on passe 5-6 heures par jour pendant 5 ans, c'est absolument impossible que quelqu'un ne parle pas une langue couramment. C'est pas concevable. J'ai commencé à écouter le xiangzheng assez tôt, dans ma première année en fait d'apprentissage du chinois. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect dans cette forme d'art comique de dextérité de la langue. Et c'est en 2004 que j'ai eu l'opportunité, il y avait une émission à CCTV qui cherchait un présentateur, je suis venu. Et une fois que je suis arrivé à Pékin, j'ai commencé à être en fait aux côtés de Monsieur Ding et ça a démarré très vite en fait. J'ai commencé à faire des émissions avec lui, à voyager partout avec lui, voilà, et apprendre beaucoup de choses de lui. Ça fait 11 ans que j'ai fait cette carrière dans la télévision et pour moi c'est rien, enfin c'est quelque chose qui est venu comme ça. Alors je suis très très reconnaissant de tout ce que ça m'a donné comme expérience, comme richesse. Mais c'est vrai que pour moi le violoncelle est beaucoup plus intime et beaucoup plus important d'une certaine manière. J'essaie d'être autour de 3 heures par jour de travail sur l'instrument, c'est ce qu'il faut. Alors c'est très complexe hein, tout ça, mais voilà, donc tous les jours je travaille, je fais des étirements, je travaille sur la souplesse et puis je travaille aussi sur la musculature des doigts. Elle met beaucoup de temps à se remettre aussi parce que ça demande une force incroyable. Hein.